Ce mardi, Kate Middleton était de sortie dans la ville de Leeds pour le lancement de sa campagne Shaping Earth, consacrée à l'éducation et au développement des jeunes enfants. Pour rencontrer différentes organisations en lien avec ce domaine, la princesse de Galles avait jeté son dévolu sur un manteau Alexander McQueen d'un brillant vert émeraude qu'elle avait accordé à son sac à main, de la marque Manu Atelier. Concernant le reste de sa tenue, Kate Middleton avait choisi une longue robe crème en coton signée Victoria Beckham d'une valeur de 950 livres, soit environ 1075 euros. Une alliance de couleurs, vert et crème, qui n'était pas sans rappeler les teintes choisies pour sa campagne, et qui n'avait probablement rien d'une coïncidence. La duchesse avait agrémenté ce look d'une paire de bottes en cuir marron de la marque Gian Vito Rossi, vendue au prix de 1280 livres, soit 1450 euros, et de boucles d'oreilles Shailay London dont le prix est affiché à environ 84 euros. Elle avait déjà été aperçue avec ces dernières lors d'un match de basket le 30 novembre dernier, alors qu'elle était en déplacement avec William aux États-Unis. Victoria Beckham, est-elle amie avec Kate Middleton et Meghan Markle? En assistant au mariage de Kate et William en 2011, puis à celui de Meghan et Harry en 2018, Victoria Beckham semble indiquer qu'elle est particulièrement proche des deux couples. En 2020 cependant, alors que les premières tensions apparaissent publiquement au sein des Fab Four, des rumeurs de brouille entre Meghan Markle et Victoria Beckham font également surface, notamment dans le livre Revenge, Meghan, Harry and the War Between the Windsor, de Tom Bower. Il y raconte que les deux femmes se seraient disputées car Meghan Markle était persuadée que Victoria Beckham diffusait ses histoires aux médias. Le prince Harry aurait ensuite appelé David Beckham pour mettre les choses au clair et apaiser les tensions. Les choses seraient rentrées dans l'ordre, aujourd'hui.